Merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, je l'ai découvert il y a quelques années. La première fois que je l'ai écouté, j'ai dit, est-ce que moi je lis la Bible ou le Coran? La deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai dit, est-ce que cet homme est normal? La troisième fois, je voulais lui poser la question, et la fois dernière, je l'ai introduit ici, je voudrais quasiment le répéter. Chaque fois que je l'écoute, je dis, les Katanga n'ont pas que le cobalt, pas que le cuivre, pas que le malachite. Mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau métal, un nouveau minerai, katebakite. On dit que le cobalt, c'est le minerai de l'avenir et 60% vient du Katanga. Mais j'ai l'impression que l'évangile dans notre pays, dans les jours qui viennent, qui sait, 70% aussi nous vient du katebakite. Est-ce qu'on peut m'aider à accueillir Docteur David Kateba? Au Katanga, il y a les cobalt, mais il y a aussi les katebakites. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux exagérer, acclamer, à pousser des cris de joie parce qu'il est présent, il est vivant, il ne change jamais. Son nom est au-dessus de tous les noms. C'est lui le commencement et la fin. C'est lui l'agneau pascal, le ressuscité. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains? Nous recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce jour. Tu nous as gardés durant toute cette année. Et voici que nous atterrissons avec cette session, la toute dernière de cette année. Nous voulons que ton nom, qui est Alpha et Oméga, termine avec nous et que tu nous fasses du bien. Instruis-nous, aiguise-nous. Tu es l'esprit qui aiguise nos esprits. Tu es le cœur qu'il faut à la place des nôtres. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je commence par, comme on le dit en français, à tout Seigneur, tout honneur, je dis grand merci à l'apôtre Roland Dallot de nous faire confiance encore une fois et de nous prêter ce podium du haut duquel il aiguise les serviteurs de Dieu. C'est un grand honneur et un privilège et une lourde responsabilité que de nous présenter sur le même podium que vous, papa. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier quelqu'un qui n'est pas présent. Je ne me présente pas ici en électron libre. Je voudrais vraiment remercier celui qui est établi sur moi comme père, aux côtés de qui je joue le rôle de pasteur assistant. Il est à Lubumbashi. Il s'agit du pasteur Romain Kazadi, qui est visionnaire des communautés des églises évangéliques La Conquête. Est-ce qu'on peut saluer cet homme qui a accepté de nous paître et de toujours nous envoyer vers vous à chaque fois que vous le demandez? Merci aux hommes de Dieu qui sont présents pour cette dernière session. Nous ne sommes pas mieux que vous et vous êtes en position de recevoir. Nous sommes en train de nous vider, c'est que vous êtes en meilleure position. Que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons sur les attaques, les fausses accusations, les critiques et leur gestion. Nous sommes dans la suite de ce que nous avions commencé
il y a 3 mois, et nous allons prendre nos textes. Le tout premier de ce matin, c'est dans Galates chapitre 5, et nous prenons le verset 15. Galates chapitre 5, verset 15. C'est par là que nous avions abouti la dernière fois. La Bible nous dit: et si vous vous mordez les uns les autres, et si vous vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Nous rentrons dans Genèse chapitre 27 et nous lisons le verset 41 qui est très important pour ce jour. Genèse chapitre 27, verset 41, la Bible dit: Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. Amen. Nous allons cette fois dans 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3, le tout premier verset. 2 Samuel 3, le premier verset. Il nous dit: la guerre dura longtemps entre la famille de Saül et celle de David. Dans la version Louis II, c'est entre la maison de Saül et la maison de David. Et David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Dernier texte, Hébreux chapitre 7, verset 14. Hébreux chapitre 7, verset 14. La Bible nous dit, au verset 14: car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Les attaques, les accusations, donc les fausses accusations et les critiques, ainsi que leur gestion, la fois dernière, nous avons circonscrit le tout dans un cadre que nous avons appelé l'espace sacerdotal, donc le milieu où s'exerce le service de Dieu. En tant que serviteur et servante, nous devons savoir qu'il y a tout un champ global dans lequel Dieu nous appelle à exercer, et ce champ, nous pouvons le découper en 2 zones. La première zone, c'est la zone externe ou le monde. C'est le domaine de notre conquête. Dieu nous envoie dans le monde, aller à la conquête du monde. Ici, j'aimerais bien ajouter ce petit élément. Lorsque l'Église ne va pas dans le monde pour le convertir, le monde viendra à l'Église pour la pervertir. C'est très important. Le monde, c'est le domaine où nous opérons les conquêtes, où nous amenons la parole de Christ pour la conversion. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, c'est une zone interne, en fait, qui constitue la grande communauté ou l'Église au sein de laquelle chaque serviteur et chaque servante est appelé à exercer son appel, son ministère, ses dons, ses talents. La zone interne, comme on vient de le signaler, est utile parce que c'est là que nous naissons. Nous naissons à l'Église. Nous croissons dans l'Église, nous nous appuyons sur l'Église. Sa vocation particulière, c'est
de nous bâtir et de nous permettre à ressembler à la personne de Christ. Mais la zone externe, c'est une zone qui a vocation de nous attaquer, de nous accuser, de nous critiquer, parce que cette zone, ce monde est piloté et gouverné par un esprit qui est spécialisé en accusation, en mensonge, en séduction. Retenez ces choses. Mais nous avons quand même établi une autre vérité selon laquelle la zone interne ou l'espace sacerdotal commence à subir des mutations parce que il est infiltré par des agents externes. Il y a des satanistes qui parviennent à s'infiltrer dans l'Église et qui viennent travailler à piéger l'Église de l'intérieur, et c'est eux singulièrement qui sont spécialisés à monter des accusations, à monter des attaques, à donner des coups. Et il y a un autre élément, c'est la dégénérescence des serviteurs à l'interne. Donc ces deux éléments sont importants. Ce qui fait que l'Église perd quelque peu de sa vocation d'édifier, de fortifier, de bâtir les vies des serviteurs, c'est lorsque il y a également dégénérescence. Ça signifie perte des qualités liées à sa race. Nous sommes de la race de Dieu. Si nous perdons le fruit de l'esprit, nous dégénérons. Et une fois que nous dégénérons et que nous sommes infiltrés par le monde, l'atmosphère dans l'Église devient dangereuse, elle se gâte et l'Église devient un milieu de coups bas et de scandales. C'est justement pour cela que ces choses sont présentées, parce qu'il faut ajouter là-dedans le mot gestion. Il faut gérer ça. On ne peut pas empêcher l'infiltration. On ne chasse pas les gens de l'Église, mais on peut gérer l'infiltration. Alors nous avons vu trois types d'attaques, trois types d'accusations, trois types de critiques. Nous avons parlé des attaques de type vertical, ça signifie des attaques où il y a des supérieurs qui attaquent les inférieurs ou des inférieurs qui attaquent des supérieurs. Ça, c'est le premier type. Là, je récapitule juste avant qu'on entre dans la matière d'aujourd'hui. Et nous avons également, en deuxième lieu, des attaques de type horizontal. Ça signifie des attaques des serviteurs de même grade, soit des responsables, soit des subalternes, donc soit des pères qui s'attaquent aux fils et qui s'attaquent entre eux, soit des fils qui s'attaquent entre eux. Et ça sera justement l'objet de notre travail aujourd'hui. Troisième niveau, nous avons vu ça dans des modèles pratiques la dernière fois, c'était des attaques mixtes, des coalitions entre supérieurs, entre pères et fils pour attaquer un fils, ou des coalitions entre père-fils pour attaquer un père. Nous avons vu ces choses dans des cas pratiques la fois dernière. Mais je voudrais aujourd'hui que particulièrement nous puissions nous atteler à voir les attaques de type horizontal. Ça signifie inférieur contre inférieur et supérieur contre supérieur. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette réalité où dans la communauté, dans l'Église, dans nos assemblées, qu'on retrouve des hommes de même niveau en train de s'attaquer, en train de se combattre, en train de se battre, de s'accuser? Qu'est-ce qui explique que pareilles choses puissent exister? Malheureusement, ça ne devrait pas, mais réellement, ça l'est.
qu'est-ce qui explique cette vérité? Notez cela, s'il vous plaît. Ça s'explique par la digestion et la gestion de deux phénomènes importants. Digestion et gestion de deux phénomènes importants qui sont la montée en puissance des uns et la perte de vitesse des autres. Nous allons expliquer peu à peu. La montée en puissance des uns et la perte de vitesse des autres. Montée en puissance, comprenez en cela, comme on vient de voir dans 2 Samuel 3, que David allait se renforçant, donc il montait en puissance, et la maison de Saül allait s'affaiblissant, donc elle perdait de la vitesse. Comment digérez-vous le fait que votre frère, votre sœur, un serviteur, une servante monte en puissance? Comment vous l'accueillez? Comment vous-même vous vous gérez lorsque vous montez en puissance? Ça, c'est très important. Donc, les attaques, les accusations et les critiques, ça s'explique par ces attitudes-là. Ce que je ressens lorsque je vois quelqu'un augmenter en influence, parce que la montée en puissance, ce n'est que la croissance en influence d'un serviteur ou d'une servante au sein de sa contrée et même au-delà. Dieu ne nous a pas appelés à avoir simplement de l'influence sur nous. Non, il nous a appelés à avoir de l'influence également sur les autres. Maintenant, lorsque un serviteur, lorsque une servante commence à monter en influence, comment nous accueillons cela? Comment lui-même, comment elle-même se gère? Parce que son influence commence à augmenter. Comment les autres le regardent? Comment il regarde lui-même aux autres, étant sur une sorte de piédestal, admiré par tout le monde, ovationné par tout le monde, bien accueilli par tous, comment se regarde-t-il? Amen. Alors ici, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous donner trois types de montée en puissance avant qu'on entre dans la matière. Il y a la montée en puissance humaine, une montée en puissance satanique et montée en puissance divine. Amen. Monter en puissance humaine, ça c'est la première réalité. C'est un peu ce que dit Luc chapitre 14 verset 11, Jésus dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé. » Quiconque s'élève sera abaissé. Il n'est pas dit qu'il va lui être empêché de s'élever. Il va s'élever, mais il finira par être abaissé. Et on dit ici quiconque. Donc il est possible qu'un homme organise sa montée en puissance. Qu'il soit lui-même la source de sa propre montée. Mais une fois que vous êtes la source de votre propre montée, sachez que vous avez rendez-vous avec l'abaissement de Dieu. Amen. Et la montée en puissance humaine vient souvent de quelle catégorie de serviteurs et de servantes? C'est des gens qui ont des ambitions au-delà de leur consistance. Amen. Ils sont en fait un plein de vide, mais qui cherchent une apparence grandiose dehors.
Ils sont le contraire de Salomon quand la reine de Séba le rencontre. Quand la reine de Séba voit Salomon, elle dit, entre ce que je vois et ce que j'ai entendu, il n'y a pas photo. Je n'ai même pas vu la moitié de ce qui m'a été rapporté. Mais les gens qui s'élèvent eux-mêmes, en fait, c'est des gens qui investissent dans une célébrité qui est plus grande que leur contenu spirituel. Lorsque vous les approchez, après avoir eu vent de leur célébrité et que vous les côtoyez, vous vous rendez compte que il y a un grand écart entre ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils présentent comme célébrité. Et souvent, ceci se fait à la faveur des moyens. Les moyens financiers peuvent vous permettre de vous élever pour un temps. Amen. Et lorsque on fait partie de cette catégorie de personnes, la tendance est d'embrasser tout et tous pourvu qu'on soit approuvé. Donc on n'a pas de filtre. On peut et s'approcher des gens qui ont dévié doctrinalement et ceux qui sont bons pourvu qu'on se sente approuvé parce que on investit soi-même à sa propre élévation. On investit à sa propre montée. Je le répète, lorsque vous montez vous-même, sachez que vous avez rendez-vous avec l'abaissement de Dieu. Amen. Deuxième élément, la montée en puissance satanique. Elle concerne deux catégories de personnes. C'est des satanistes qui se sont infiltrés dans l'Église. Mais c'est également ce qu'on appelle dans Daniel 11, 32, les traîtres de l'Alliance. Ça signifie des serviteurs de Dieu qui ont commencé avec Dieu, mais qui à un certain moment ont basculé dans le satanisme sans vous informer qu'ils y sont déjà. Amen. Lorsque vous lisez, je crois, 1 Jean 2, 19, c'est là que l'apôtre Jean parle justement des gens qui étaient parmi nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Donc c'était des infiltrés que Satan a pu introduire dans l'Église, qui ont affiché un comportement comme le nôtre, mais qui à un certain moment vont se manifester comme n'ayant jamais été des nôtres. Ça c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont les traîtres de l'Alliance, comme la Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ici, c'est très important de pouvoir un peu saisir qu'est-ce qui fait que ces gens parviennent à monter et à s'attirer même des foules. C'est la puissance satanique. Amen. Et parmi les choses qui les font réussir sur le plan réel, c'est deux domaines de prédilection, le domaine de la prophétie et le domaine des miracles. Ces deux domaines-là. Si je parle de domaine de prophétie, c'est en gros, parce qu'en vérité, eux ne sont que dans les paroles de connaissance et dans le passé. Ils ne vont jamais dans l'avenir parce que c'est le monopole de Dieu. Amen. Ici, j'aimerais insister là-dessus. Jésus se distingue par le fait qu'il peut te dire: quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. C'est le passé. Il peut encore te dire, si tu es Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. C'est le présent.
Et puis il va ajouter, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est le futur. Donc quand on est dans le domaine prophétique, on a besoin de ces toits-là. On a besoin d'un retour vers le passé parce que Dieu se présente comme celui qui était. On a besoin de la révélation de l'actualité. Il se présente comme celui qui est. Et on a également besoin du futur, surtout de là, parce que toute la distinction de Dieu, c'est les détails sur un futur que personne ne peut soupçonner. Et ça fait que lorsque vous avez affaire à un esprit satanique, il tournera plus sur l'actualité et le passé. Là, il sera détaillant. Mais sur le futur, il devient grossiste. Il te dira seulement, Dieu te visitera. Mais sur le passé, il va te donner force détails, jour, année, tout. Tout ce qui concerne ton passé, il peut te le donner. Mais quand vous arrivez au niveau du futur, il devient grossiste. Il dit, Dieu va te visiter. Mais on a besoin de Samuel, quelqu'un capable de te dire, tu as perdu les ânesses. Mais viens ici, voici ce qui va t'arriver en détail. Quand tu vas arriver à tel endroit, on va te donner trois pains. Quand tu vas arriver à tel endroit, l'esprit va te saisir. Donc il prend Saül depuis le passé. Il le met dans le présent et il devient plus détaillant dans l'avenir. Nous n'allons pas écraser les vrais parce qu'il y a prolifération des faux. Non. Les vrais existent. Les vrais sont là. Les vrais règnent et les vrais dominent. Et puis dans la gestion du domaine prophétique, le ratio de Dieu, c'est un seul prophète peut en gérer plus de 1000. Élie est capable de gérer plus de 1000 faux prophètes lui-même. Il y en avait 700 de Baal et 300 d'Astarté. Élie lui-même gérait ça. On n'a pas besoin de trop de vrais pour anéantir les faux. Un seul vrai est capable de maîtriser toute une majorité de faux. Nous n'allons pas bouder la prophétie parce qu'il y a des faux. Ça va continuer. Les vrais doivent continuer. Que les vrais parlent, que les vrais prophétisent, qu'ils annoncent le passé, qu'ils parlent du présent, qu'ils parlent de l'avenir. Parce que l'esprit de vérité vous annoncera des choses à venir. Jésus sait faire tout ça. Il sait dire à la femme samaritaine, appelle-moi ton mari. Elle dit, je n'en ai pas dit. Ah, là tu as dit vrai. Elle est rentrée, il est rentré avec dans le passé. Tu en as eu et celui que tu as, il est dans le présent. Maintenant, dans le futur, si tu bois de l'eau que je vais te donner, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans l'éternité. C'est ça qui nous introduit dans la montée divine, la montée en puissance divine. Elle existe. Dieu ne peut pas t'appeler pour te laisser au niveau où il t'a trouvé. Jamais. Il doit te faire monter. La Bible dit, voici mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. C'est Dieu qui organise la montée divine. Et c'est tout un processus. Mes frères, mes sœurs, serviteurs et servantes, nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus en Adam où il y a des générations spontanées. On devient grand en un jour. Adam est né grand. Ça ne va plus se passer. Comment est-ce que vous pouvez être avec quelqu'un hier? Il était normal, mais aujourd'hui il devient grand. Quand est-ce qu'il a grandi? La montée divine, c'est le couronnement d'une histoire dont la communauté est capable
de rendre des comptes. Les gens sont capables de témoigner de votre parcours et la gloire qu'on voit aujourd'hui a une histoire correspondante. Il y a les assistants de ton faible commencement, lorsqu'ils te verront avec un grand niveau, qui diront: ce n'est pas une génération spontanée ça, c'est quelqu'un qui est parti d'eux et qui ne pouvait qu'arriver là. Nous ne sommes plus d'accord avec les générations spontanées, non. Des gens qui deviennent grands en un jour. Quand il était au pays, il était petit. Le jour où il voyage, il va dans un autre pays, il fait un mois, il redevient grand. C'est compliqué. Avançons. Parlons un peu de la perte de vitesse pour qu'on rentre dans les cas pratiques. La perte de vitesse, ça arrive. Qu'est-ce que la perte de vitesse? C'est l'affaiblissement de l'influence. La perte de l'influence qui est due à l'insoumission aux valeurs et aux principes de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui perd de la vitesse, il n'y a qu'une seule explication. Il s'est rebellé à Dieu. Amen. Pour clore ce chapitre et entrer dans les éléments pratiques, il y a quatre choses importantes que vous pouvez retenir ici. Dieu travaille avec la vague, la vitesse, la vigueur et les valeurs. Je répète, vague, vitesse, vigueur, valeur. La vague et la vitesse sont à charge de Dieu. C'est Dieu qui décide de la vitesse et qui décide de la vague. La vague, qu'est-ce que c'est? C'est juste une manière de voir de Dieu et de faire des choses à une période précise d'accomplissement de son plan. Dieu ne fait pas les mêmes choses tout le temps. Il y a des moments où il lance une nouvelle chose à faire, une nouvelle vague. C'est une manière nouvelle de voir les choses, mais pas de toucher à ses valeurs. Les valeurs sont éternelles. C'est la manière de faire qui change, mais les valeurs de Dieu restent éternelles. La vigueur et les valeurs, c'est à charge de l'homme. Lorsque l'homme ne préserve plus les valeurs, il va perdre la vigueur et il va perdre la vitesse. La seule chose qui a fait tomber Adam, c'est cette petite phrase-là: tu mangeras de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça signifie que tu perdras la vitesse, tu vas perdre de ton influence, tu cesseras d'être à l'image de Dieu pour devenir un homme animal qui écoute le serpent et qui commence à vivre comme un animal. Amen. Nous devons faire attention en tant que serviteurs. Tout ce qui nous préserve, ce sont les valeurs que nous préservons. Tu es préservé par les valeurs éternelles de Dieu que tu préserves. Dieu te donne la totalité en te privant d'une seule chose. Tu mangeras de tout. Donc je te donne accès à tout si tu ne touches pas à un. L'abstinence reste de rigueur et restera en vigueur jusqu'à ce que nous entrerons au ciel. Dieu n'est pas un Dieu de tout est permis et rien n'est interdit. Il y aura toujours quelque chose que Dieu va t'interdire pour te donner accès à une totalité. Donc cet arbre de connaissance du bien et du mal, c'est ça le jeûne que Adam avait reçu de la part de Dieu. Dieu lui a demandé: quand tu arrives devant cet arbre, il faut jeûner. Donc l'abstinence, c'est ça qui nous donne la puissance. Dans une vie où il n'y a plus d'abstinence, il n'y aura plus de puissance. Il y aura perte de puissance. Amen. Alors, allons maintenant dans les
différents cas que nous pouvons exploiter, en commençant par les inférieurs qui attaquent les inférieurs. Amen. Ici, premier cas, nous sommes dans Genèse chapitre 4. Il va falloir faire très attention avec les batailles fils-fils. Je l'ai dit la fois dernière, je le répète. Dieu donne la vision au Père et il donne l'avenir au Fils. Lorsque les fils commencent à se battre, c'est l'avenir du Père qui devient en danger. Amen. Et dans cette affaire de Abel et de son frère, il faut comprendre deux choses importantes. Dans la manière de travailler de Dieu, il y a des gens qui ont le courage d'initier et d'autres qui ont l'intelligence de développer. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas Abel qui a initié les offrandes. Qui est le premier à offrir? La Bible nous dit que c'est Caïn qui offrit. Et puis Abel aussi est allé offrir. C'est que Caïn avait le courage de faire une chose qui n'a jamais été faite. Mais Abel avait l'intelligence du modèle de la chose. Vous pouvez avoir le courage d'initier, mais vous manquez d'intelligence de développer. Associez-vous à celui qui a l'intelligence de développement. Si vous l'attaquez, vous le critiquez, vous le tuez, vous risquez de faire perdre à plusieurs générations certaines faveurs. Parce que quand Abel a offert selon le modèle de Dieu, la Bible dit, l'Éternel a regardé favorablement Abel et son offrande. La terre est maudite à cette période. C'est que déjà, le retour de la faveur de Dieu sur la terre a commencé avec l'offrande d'Abel. Mais Caïn a attaqué celui qui avait l'intelligence développée. Il l'a abattu, il l'a tué. Entre la mort d'Abel et la levée de la malédiction du sol, il y a à peu près 1656 ans. Il fallait attendre que Noé vienne faire ce que Abel avait développé. C'est que des générations ont été condamnées à vivre sur une terre maudite parce que quelqu'un a attaqué celui qui avait l'intelligence de développer. Attention, lorsque vous avez des gens qui ont une intelligence de développer les choses à côté de vous, apprenez à les arroser parce que ils sont une bénédiction pour plusieurs générations. Des églises, des communautés ont perdu de la vitesse parce que ils ont attaqué quelqu'un qui avait l'intelligence de développer. Et si rapidement, la gestion de ces choses exige la prudence. Je voudrais parler à un Abel aujourd'hui. Abel signifie vapeur. Ceux qui ne traînent pas. Comment est-ce que tu peux mourir à l'époque où la longévité atteint jusqu'à 960 ans, mais toi tu meurs jeune, Abel? Alors que tu as démarré avec faveur. La vérité c'est que Abel n'a pas été prudent, il n'a pas été attentif, puisque Dieu qui regarde au cœur parlait déjà du visage de Caïn. N'est-ce pas que Dieu dit qu'il regarde au cœur? Mais quand il parle à Caïn, il lui dit, ton visage est abattu. C'est que c'était lisible sur Caïn qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en principe, papa Adam et maman Ève devaient s'occuper de cette histoire en disant, Caïn vient d'abord. Qu'est-ce qui se passe?
Abel n'a pas été attentif. Il croyait en la fraternité de Caïn. Il n'a pas fait une mise à jour à partir du visage, voir. Est-ce que, mes frères, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu finiras par le voir. L'amour et la haine, c'est comme l'éternuement. Ça ne se freine jamais. Ça finira par sortir. On ne bloque pas la haine et l'amour à toujours. Ça sort. C'est là, quand vous lisez quelqu'un comme Jacob, il dit à un certain moment à ses épouses, il leur dit, j'ai entendu ce que vos frères disaient et je vois le visage de votre frère a changé par rapport à moi. Dès lors qu'il a dit ça, la Bible dit, l'Éternel lui dit, retourne, ça signifie Dieu te protégera avec ton observation aussi. Si tu ne sais pas observer ce qu'il y a tout autour de toi, Dieu sait. Mais quand Jacob a remarqué que le visage des fils de Laban et de Laban a changé par rapport à lui, Dieu lui a dit, ah, maintenant tu peux partir. Malheureusement, Abel n'a pas été prudent. Il est mort très rapidement. Ça existe. Les faux frères. Ça existe. Tu peux aimer, mais pas toujours de près. Parce que Dieu est même un Dieu qui peut déclarer l'amour à Jérémie de loin. Il dit à Jérémie, de loin, je te déclare, je t'aime de l'amour éternel. Il dit, de loin. Tu peux aimer de loin. Tu peux respecter sans te rapprocher. Je te conseille d'aimer tous, mais de ne pas t'approcher de tous, surtout quand tu sais que tel n'a pas bonne opinion, n'a pas un bon visage par rapport à moi. Tu as tous les droits de te préserver. Et sinon, tu vas devenir une vapeur. Tu vas traîner pour quelque temps. Là où les gens atteignent 960 ans, toi tu meurs jeune. Abel. Abel. Regardez des gens comme Ésaü que nous venons de lire. La Bible dit, il conçut de la haine et il dit, les jours du deuil de notre père arrivent, je tuerai mon frère Jacob. Ça signifie, si je n'arrive pas à le tuer, il y a une présence paternelle. Les pères doivent savoir qu'ils représentent beaucoup. Il y a certaines choses. Je suis orphelin de père. Je sais ce que c'est que perdre un père et comment les choses changent lorsqu'on est père, le père n'est plus là. Avant, papa n'est pas égal après papa. Ça, j'aimerais bien vous le dire. Que ce soit sur le plan familial que sur le plan sacerdotal. L'autorité paternelle contient certains cœurs. Il a avoué qu'il attendait que Jacob disparaisse pour qu'il tue. Et tout ça pourquoi? Mauvaise définition de la bénédiction. Le jour où il s'est rendu compte que même lui était dans l'abondance, quand il rencontre Jacob, il dit, moi aussi je suis dans l'abondance, vous vous disputiez pour rien. Écoutez, fils entre fils, c'est souvent ça. On veut se définir par rapport à plus que tel. Non. Sans toi, toi-même, même si on t'appelle moins, tu es toujours toi. Moi, je n'ai pas besoin de me sentir plus que pour que je me sente moi. Je suis moi. Il y a plus que moi, il y a moins que moi. Mais ma force, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a que moi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi, c'est ça. Tu ne peux me trouver ni dans plus, ni dans moins. Tu ne me trouveras que dans moi. C'est tout ce que j'ai comme force, c'est moi. Et que chacun de vous considère l'autre comme étant supérieur à lui. Une fois que vous faites ça, vous allez bien vivre. Avançons pour voir maintenant les attaques entre supérieurs. C'est ça qu'il y a de difficile. Il y a trois types de choses à voir ici. Il y a les attaques entre deux pertes de vitesse, deux personnes qui ont déjà perdu de la vitesse et ils s'attaquent. Ça devient du théâtre. Et
mais l'un et l'autre, tous perdent de la vitesse et ils passent leur temps dans les accusations. C'est un peu Adam et Ève. Adam, as-tu mangé? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Perte de vitesse. Le gars qui disait l'os des maisons, quand il perd de la vitesse, il commence à dire, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Lorsque vous parlez avec l'accusateur, il va vous transformer en ce qu'il est. C'est Satan qui accuse, et lorsqu'il a écouté Satan, il a commencé à accuser. As-tu mangé? On n'a pas demandé qu'est-ce qui a fait que tu as mangé. On a demandé, as-tu mangé? C'est la femme que toi tu as mise à mes côtés. Là, il inculpe même Dieu. Quelque part, il veut lui dire, mais quand j'étais seul, est-ce que j'avais mangé? C'est depuis que tu m'as donné cette femme-là que j'ai commencé à manger. C'est que dans la participation criminelle, tu fais partie de la chaîne. C'est ça la perte de vitesse. Quand vous voyez des gens qui veulent justifier leur échec par ce qu'on leur a fait et non ce qu'eux ont fait, ils sont en perte de vitesse. Chaque jour, vous voulez toujours justifier vos échecs par le Bitumbaya famille. Dernier Bitumbana famille et aux âmes colonines. Quelle est la dernière bataille que tu feras contre ta famille? C'est de l'irresponsabilité, ça. Madame Ève, est-ce que tu as mangé? C'est le serpent. Voilà les gens en perte de vitesse. Ils ne remontent jamais parce que tout ce qui peut faire remonter, quand vous avez perdu la vitesse, c'est rien que la repentance. Rien que ça. Rien que ça. Deuxième cas de figure, c'est des attaques entre deux montées en puissance. Ça, c'est très dangereux. C'est 2 Samuel qui nous dit au chapitre 3, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. C'est le fils de Saül, Ishbosheth, qui monte sur le trône. Donc il fait une montée en puissance. David, de l'autre côté aussi, à l'onction royale, il monte en puissance, voyant que Saül est mort, c'est qu'il y a une place vide pour moi, mais Ishbosheth vient l'occuper. Vous voyez ce que ça fait? Ishbosheth a 10 tribus, David n'est que la tribu de Juda. Ça devient compliqué. C'est pour ça que lorsque vous voyez ce genre de bataille entre leader et leader, ça entraîne toujours le peuple. C'est pour ça qu'on parle maintenant de la maison de David et de la maison de Saül. Comment gérer ça rapidement? Si les deux ne se retirent pas, la guerre ne va pas s'arrêter. Ou si l'un ne se retire pas, la guerre ne va pas s'arrêter. Amen. Papa Albert Lukusa disait toujours, le combat s'arrête faute de combattants. Lorsque tu es attaqué et que tu refuses de te battre, il n'y aura pas bataille. Donc, lorsque entre nous serviteurs, vous voyez qu'une attaque commence à gauche, une autre commence à droite, ne répliquez pas. Sinon, vous devenez combattant au lieu d'être serviteur de Dieu. Ça va vous déconcentrer. Et cette bataille est restée pendant très longtemps. Aussi, entre serviteurs, lorsqu'il y a ce genre de choses, il est toujours important, ça je viens de le dire dans mon introduction, il est important que vous ayez toujours un serviteur au-dessus de vous. Amen. Lorsqu'il n'y a pas un serviteur de Dieu au-dessus d'un autre, il y a risque de mettre Dieu en dessous de soi. Si tu ne mets pas un serviteur de Dieu au-dessus de toi, tu risques de mettre Dieu en dessous de toi. Tu ne vas rien respecter de Dieu. Rien. Alors rien. C'est très dangereux d'avoir des gens à qui... qui n'ont personne à qui ils rendent compte. La redevabilité est très importante. Vous devez savoir que vous devez des comptes et aux supérieurs et même aux inférieurs.
Amen. Sinon, la guerre ne va jamais s'arrêter entre... Mais bien-aimés, la chair, nous devons apprendre à la respecter. Hein. Qu'est-ce que les brebis ont à voir avec ce que nous avons comme problème entre nous, pasteur? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller gérer ça au niveau supérieur que de gérer ça au niveau de la chair? Il y a des choses que tu peux bien dire à ton frère ailleurs. Pas attendre quand tu auras la chair pour le dire. Et parfois, nous voyons ça. Excusez-moi, nous suivons des vidéos et puis il y a des gens qui alimentent ça, qui récupèrent la vidéo de tel, la vidéo de tel. Ils font un montage. Et maintenant, on regarde. Celui-ci attaque, l'autre contre-attaque. On attend la prochaine étape, le prochain épisode. Maintenant, lorsque celui-ci suit, il regarde l'autre, il passe, il contre-attaque. Et ça devient finalement une sorte de carambolage. On ne sert plus Dieu. Alors que la Bible n'a pas de délai d'expiration. On ne finira pas de l'exploiter. Elle est trop riche. Si on peut retourner à ça. Amen. Maintenant, dernière chose pour terminer. Attaque entre montée en puissance et perte de vitesse. Amen. C'est pour ça que je vous ai lu ce petit texte de Hébreux 7. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas. Tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Est-ce que vous comprenez pourquoi Caïphe poursuivait Jésus? En Israël, le sacerdoce est donné à qui? À Lévi. Jésus vient de quelle tribu? De Judas. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes souverain sacrificateur, établi selon la loi de Moïse. Vous percevez les offrandes, vous purifiez les lépreux, c'est à vous de pardonner les péchés quand quelqu'un vient demander pardon. Mais un jeune homme de 30 ans, identifié comme descendant de Judas, regarde quelqu'un et lui dit, toi, tes péchés te sont pardonnés. Un lépreux vient se faire guérir, il lui dit, je veux que tu sois pur. Le lépreux est purifié sur place et il l'envoie comme par provocation. Va donner aux sacrificateurs ce qu'ils ont demandé. Ça signifie quoi? Va leur dire qu'il y a une montée en puissance ici et là il y a une perte de vitesse parce que Moïse avait vu Lévi, mais Lévi n'était que le commencement. C'est à Judas qui aura le développement. Caïn peut commencer, mais c'est Abel qui développe. Lévi peut commencer. Il est l'ombre, mais l'exacte représentation, ça se trouve à Judas. Moïse ne voyait que Lévi. Il n'a rien dit sur Judas qui concernait le sacerdoce, alors que le souverain sacrificateur réel devait descendre de Judas. Il arrive à un moment où Dieu change de vague, où les traditions d'avant sont bousculées. Il y a des nouvelles valeurs qui naissent, des nouvelles valeurs qui viennent bousculer les anciens systèmes. Et lorsque un lépreux peut aller donner l'offrande de lèpre, on va lui demander, tu n'es pas passé par ici, comment tu es guéri? Il va leur dire, il y a quelqu'un qui donne des résultats sans vos méthodes. Ça traîne beaucoup chez vous. Il faut venir 14 jours rentrer. Lui, il n'a qu'à parler et ça s'est fait. Mais il vous reconnaît au moins, mon offrande est là. Notre Seigneur est issu de Judas. J'aimerais dire à quelqu'un, à un moment, Dieu peut t'amener dans une dimension qui contredit les traditions religieuses, qui contredit les statu quo des communautés et qui t'introduit dans une dimension tout à fait nouvelle. Et c'est ça Jésus. C'est pour ça que les Caïphes l'ont accusé. En fait, il n'accusait pas quelqu'un qui était accusable, il manifestait leur perte de vitesse.
Maintenant, lorsque tu commences à poursuivre quelqu'un qui est en montée en puissance divinement organisée, sache que l'Esprit de Dieu va gérer tes erreurs à toi. Tout ce que tu vas faire là, Caïphe a même prophétisé à propos de Jésus. La Bible dit, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Les gens qui vous accusent, ils pensent qu'ils sont sous contrôle de leur méchant cœur. C'est faux. Il y a un Dieu qui gère leur cœur, capable de les inspirer, de vous propulser avec leur accusation. Il est notoire, c'est connu que notre Seigneur est sorti de Judas. On sait, comme on le dit, la Bible le dit même, comme on le savait, il était fils de Joseph et de... On sait qu'il est venu de Judas. Mais quand il parle à un lépreux, le lépreux guérit. Quand il pardonne les péchés sont pardonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est mort sous l'accusation des gens qui étaient en perte de vitesse. Mais lorsque tu es faussement accusé par des gens en perte de vitesse, fais comme lui. La Bible dit, comme un agneau qu'on emmenait à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche, ne dis rien. Reste focalisé. Si on te pose la question par Pilate, il te dit, mais tu n'as rien à dire. Toi, tu n'as qu'à faire l'énoncé de ta mission. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je ne réponds pas aux accusations de Caïphe. Je ne réponds pas aux accusations des Juifs. Je ne réponds pas aux accusations des Sadducéens. Je suis dans ma mission. Ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à tout est accompli. Ce matin, tout ce que je vais vous demander en matière de gestion de ces choses ici, prions Dieu pour savoir garder silence. Garder juste silence. Il y a des moments où le silence crie plus fort que la voix. Quand tu t'étais, ça crie très fort. Mais pourquoi il ne parle pas? Que ton silence parle et il parlera mieux. Et quand tu apprends à garder silence, la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est que quand tu entres dans le silence, Dieu entre dans le combat. Nous allons lever nos mains. Prions Dieu qu'il nous apprenne à garder silence, quelles que soient les attaques de ceux qui ont perdu la vitesse. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui ont perdu la vitesse n'ont de ministère que d'attaquer ceux qui montent en puissance. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de leurs attaques. Nous avons le temps de continuer à aller sur le chemin de Golgotha pour aller déclarer tout est accompli et bâtir des œuvres avec des gens comme Pierre. Lorsqu'on les accuse, on les flagelle, on leur dit ne parlez plus en ce nom-là. Ils vont répéter, jugez-en vous-même s'il est bon d'écouter les hommes plutôt que Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Continuons notre mission, levons nos mains. Oui Père, nous venons devant ta présence. Tu es le Dieu qui nous fait du bien ce matin. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Roi des Rois. Pendant qu'on nous chante, Yahweh Tobelemi, parle à ton Seigneur. Pembeni na yo papa, yamba masanzoni. Oh,